Les gars, ça fait tarpin plaisir, je te jure, on va à vacances ensemble, quoi, frère. Ça fait quoi, 3 mois? Eh quoi? Mais non, ça fait 10 piges qu'on n'est pas parti. Attends, je vais te montrer les canards. Toi avec ton bob rose là. Quoi, le bob rose? C'est le dilué qui est ici, frère. Attention, dans un instant. Attends, les gars, les gars. Eh, c'est l'émission, c'est l'émission, c'est ce qu'il y a avec ma meuf. De quoi? Attends, t'es en train de me dire que t'as une meuf? Faut jamais t'as une meuf. Les gars, arrête, ça va pas là. Écoutez, je me sens pas. Oh, Fred, ça va pas. Fred, vas-y, arrête. Fred. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Vous êtes là, vous le savez. Chaque semaine, on vous offre 500 000 euros. C'est une grosse somme pour faire plein de cadeaux en couple, bien sûr. C'est la bouche de l'émission. Ok, déjà, tout va bien. Ok, vous êtes là, et un certain Fred de Marseille qu'on va appeler tout de suite. C'est parti, ça sonne. Salut Jean, il faut décrocher. Non, décroche-toi. Tu connais toi, protéger, alerter, secourir, tu sais ce que c'est? C'est quoi ça? Mais non, tu sais pas. Allez, enfin, dernière chance. Tu décroches, stop, allô. Allô Fred? Ouais. Bienvenue. Ouais. Oh, Cuisin Love, je t'arpin content, dis. C'est ça Fred, bonjour à toi aussi, on a cru que tu ne décrocherais jamais. Fred, comment vas-tu? Ça bien va toi frérot, ça va bien? Bah ça va très bien, merci, c'est Guillaume du Cuisin Love. 3 questions sur ta moitié, ton couple et ton love. Et bien sûr, 500 000 euros à gagner pour toi et ta copine. Est-ce que tu es prêt, Fred? Parce que jamais con, bien sûr. Attends, je suis préparé. Tu m'as... Ouais, c'est bon, il respire, il joue ouvert sa bouche. Ouais, c'est bon. C'est parti pour la première question, Fred. Attention, concentration, quel est le nom du parfum de ta copine? Parfum? Oui, son eau de toilette, son parfum. Son sent bon. Fred. Son parfum, c'est lavande de garrigue. Eh bien non, c'est pas son parfum, malheureusement. On va reprendre tout de suite avec une deuxième question. Allez, on se reprend, Fred. Quel est le jour de son anniversaire? Oh, c'est facile, ça. Son anniversaire? Oui, à ta copine. Cette année. Ça dépend. Cette année, vers le 2... 3 mars. Mais non, Fred, c'était hier. Son anniversaire, tu lui as pas souhaité ou... Ben bien sûr, je me souviens. Attends, ça m'a gâté. Hein. Après, je me suis emboucané tout seul. Le stress de la radio. C'est normal, Fred. Mais t'inquiète pas, cette dernière question, elle est cadeau pour toi. 500 000 euros. Quel est son prénom? Aujourd'hui, tu fais plus rien avec 500 000 euros. Tu fais quoi? Tu fais rien. Et si elle te quitte, ta copine, c'est pas ma faute. Hein. C'est juste que voilà, c'était pas la bonne. Tu vas en trouver une autre, de toute façon. Et il y en a plein. Tu verras. On fera le jeu ensemble. On est en vacances là. T'inquiète, on va pécho. Il y en a plein. On s'en fiche, ça. On s'en fiche. T'inquiète. L'essentiel, c'est Nico, le bonheur. C'est Nico, le bonheur. Nico. L'essentiel. L'accent. Mais je me foutais pas ta gueule, je te jure, je me foutais pas ta gueule. J'adore Marseille, je te jure, j'adore les moustiques, la bouillabaisse. J'ai déjà allé voir un match de l'OM, je te jure. J'ai déjà écouté un album de SCH, je te jure. Fred, celui qui connaît les gestes de premier secours n'a pas besoin de tout connaître de la copine de Fred. Sa date de naissance, son parfum, son plat préféré, le nom du quartier. Frérot, l'accent, c'était catastrophique. Ouais, je peux pas, je suis désolé.